Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Attention sur l'arène extérieure. Attention sur l'arène extérieure. Je pousse. Là, la première hanche dedans. Il ne faut pas que tu pousses sur la jambe intérieure. Je garde ma bouche à droite. Voilà. Je garde ma bouche. Voilà. Voilà. Et je pousse là-dessus. On va développer sur le fer. Je pousse gentiment. 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 Par contre, je dois avoir le contact sur l'arène gauche. Contact sur l'arène gauche, jambe droite. Jambe droite, jambe droite. Et je pousse gentiment. Je ne bouscule pas. Je demande et j'attends qu'elle vienne. Je demande et j'attends qu'elle me donne. Je demande, j'attends qu'elle me donne. La bouche, elle est à droite. J'ai tension sur l'arène gauche, mais je ne dois pas amener la bouche à l'extérieur. La bouche, elle est à droite. La bouche est à droite. Voilà, voilà. Voilà, comme ça. Comme ça. Je me redresse, je tends mes rênes et j'avance. Pas plus bas. Oui. Voilà. Ok. Ok. Là, les femmes de famille. Ça, c'est ton propre travail, ça. D'accord? Ça, c'est ton propre travail pour présenter. On va changer de main comme ça. Je prends la diagonale. Je la laisse pas plonger quand je change. Je la garde là-haut. Je la garde là-haut. Et je pousse. Je pousse et j'attends. Je pousse et j'attends. Voilà. Et je change de main. La bouche est à gauche maintenant. La bouche est à gauche, je tends ma reine droite. Voilà, et je pousse, je me redresse et j'attends. Je pousse dessus, garde la bouche à gauche. Attention à la longueur de reine, qui n'est pas trop longue. Et je ramène un petit peu la bouche. La bouche, la session, on va faire au niveau de la ganache, c'est pas de l'encolure. Et la bouche continue à pousser. Bouche à gauche, je pousse mes hanches vers l'extérieur. Vers l'extérieur en tendant ma reine droite. Et la bouche elle est à gauche. Je dois tout à gauche. Et je pousse dessus. Et je pousse dessus, je pousse dessus. Sans détendre mes reines. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Là elle est pas enfermée. Je pousse mais je veux pas qu'elle accélère. Je pousse mais je repousse un peu. Je mets un peu de rebond. Voilà, comme ça, comme ça. Et j'allonge mon trot sur le cerf comme ça. Je vous demande d'allonger sur le cerf. Sur le cerf. Allez. Allez, et là je change le pied je le mets à droite. Je mets le pied à droite, je mets le pied à droite et je pousse là-dessus. Je pousse dessus, je pousse. Encore, encore. Allez, allez. Là il n'y a pas de changement là, je pousse. Ouais, 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 elle cherche là. Allez, allez. Voilà. Et je la ramène droite et je continue à pousser. Voilà. En plus avec le sable mouillé, on l'entend au bruit. Là, ça fait pas tac 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 tac. Là, tac 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 tac. Ok, on change de main. Et je remets la bouche à droite. Jambe droite. Et je pousse dessus. Je tends ma reine gauche. Je ne laisse pas s'enfermer. Hop, je remonte, la bouche est à droite, épaule en avant, légère épaule en avant, et je pousse dessus, mon corps est... Voilà, je me redresse dans mes épaules, droite, et je continue à pousser, je fais dans le coin, je pousse mes hanches, pour pas qu'elles collent. Hop, garde la bouche à droite, bouche à droite, pousse comme ça, et je pousse avec ma jambe droite, ah ouais, c'est pas grave ça, bouche à droite, je pousse mes hanches. Bien, l'attitude est bonne là. Diagonale. Voilà, je pousse. Allez, quitte à aller à la faute. Je tends mes rênes. Je tends mes rênes. Je tends mes rênes. La bouche est à gauche. Voilà. Ok. Encore une fois, je pousse dessus. La bouche est à gauche. La bouche est à gauche. Elle tourne pas sur la bouche à droite. Jambe gauche, jambe gauche, jambe gauche. Je tends ma reine droite. La diagonale. La diagonale. Je mets un petit coup de talon. Je tends mes rênes. Voilà. Ok. Ok, ça c'est bien. Allez, à droite, galop. Voilà, pareil, je remonte. Bouche à droite. La bouche est à droite et j'avance dans mon galop. J'avance, je mets de la rondeur.
porter dessus et pas taper le sol comme ça. Voilà, elle s'enferme pas. Donc tu peux la mettre un peu loin devant vers le bas sans qu'elle s'enferme. Voilà, voilà, ouais. Je tape ma main droite et je renforce la jambe droite. Et je pousse. Tu peux arriver, Serge, à mettre le pli à droite, mais tendre sa reine gauche. Quand je tends ma reine gauche, mon bout du nez ne part pas à gauche. Voilà, 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 voilà. Et mes mains vont vers la bouche sans mettre en arrière. Voilà, on remet de la rondeur. Ok. Je tends ma reine gauche, je tire sa droite, je mets ma jambe droite et je passe au trot. Je tends ma reine gauche, transition. Oui, et je pousse. Voilà, bien, bien, bien. Je change de main. Sur la longueur de reine sans précipiter. Hein. Je pousse. Non, elle reste haute, elle ne s'abaisse pas. Voilà, je continue à pousser dessus. Galop à gauche. Ouais, bouche à gauche. Bouche à gauche. Épaule en avant, légère, légère. Voilà. Voilà, allez, allez, galop, bouche à gauche, elle reste à gauche la bouche. Je freine avec la reine droite sur le coin et je pousse mes hanches. Attends la longueur de reine. Non, elle a le bout du nez toujours. Hein, elle est en contre-pied tout le temps. Le bout du nez est à l'intérieur. Bout du nez à l'intérieur et j'avance. Quand je mets le bout du nez, elle ne ralentit pas. Renforce la courbe de la jambe gauche. Bout du nez à gauche. J'ai envie de pousser mes hanches vers l'extérieur. Je pousse mes hanches vers l'extérieur. Voilà, voilà, voilà. Sans la ralentir, par contre. Elle pousse ses hanches, elle garde son galop, bout du nez à gauche. Voilà, encore, encore. Hey, jambe gauche, jambe gauche, jambe gauche. Un tout petit peu plus de pli, tant que le cercle se rétrécisse. Voilà, voilà, là il vient. Ok, 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 voilà. Voilà, là elle a un galop qui est moins piqué. Voilà. Ok, ok. Ok, bouche à gauche. Encore. Tant qu'elle ralentit. Tant qu'elle ralentit, je sors mes épaules. Je sors mes épaules. Voilà, je sors mes épaules. Pli à gauche, bouche à gauche. Et je tends ma reine droite et en trop. Et je pousse comme je voulais, quand t'es moyen. Et je pousse dessus. Sans la bousculer. Ok, allez, on déroule, on part comme ça sur ce tempo-là. Ok, la nuque, pas trop basse. Là, je la pousse devant moi, je repousse un peu dans mes épaules et j'ai la bouche à droite, elle ne plonge pas, elle se tient, elle se tient. Sans ma reine gauche, elle se tient, elle est là-haut, elle pousse. Hop, j'attends d'être en ligne avant de pousser. La main droite, je pousse et je repousse un peu dans les mains. Allez, voilà, ok. Allez, un peu ma bouche à gauche, légèrement ma bouche à gauche, elle emmène. Oui, oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, et là je garde la bouche à gauche. Petite épaule en avant. Hop, je joue un peu sur ma reine gauche comme ça, attention à la longueur de reine. Voilà, hop, elle ne s'abaisse pas par contre. Je se tient là-haut. Hop, je prépare ma bouche. Voilà, un tout petit peu la bouche à droite et j'emmène les épaules, les épaules. Je regarde où je vais. Ok, ok. Allez, bouche à droite, épaule en avant. Je tends ma reine gauche, je pousse dessus. Hop, je la laisse s'étendre. Voilà, sans perdre l'activité, sans perdre mon activité. Voilà, bouche à gauche. Hop, on passe. Quand je mets mes plis, mes mains vont vers la bouche pour mettre les reins. Ouais, il fallait préparer plus que ça, plus d'information. Hop, bouche à droite, bouche à droite. Je tends ma reine gauche, je pousse mes hanches, je tends mes épaules. Allez, 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 voilà, voilà, je vais venir. Je vais piquer, je n'allais pas plonger, je la reprends, épaule en avant, bouche à droite. Je tends ma reine gauche, je pousse mes hanches dans le coin. Je tends mes épaules. J'avance, j'avance.
les mains vers sa bouche, pas vers moi. Et je lui remonte la nuque. Les mains vers ses oreilles. Transition. Ouais, bouche à gauche. Ah, on prend bien le temps de mettre les aides. Hein. Voilà, là maintenant la bouche elle est à gauche. Et tu te mets en grand coin. Bouche à gauche, séance. Voilà, voilà. Allez, je pars, attention sur l'arrêt droite. Ouais, ouais, c'est amplitude. Voilà, le galop est meilleur là. Pareil. Voilà, là elle n'est pas piquée là. Pour reprendre, je tends ma reine droite, je carte à gauche et je reprends. Voilà, ok, ok, la bouchée à gauche. Alors, pas trop mon galop, garde l'amplitude. Okay.